Est-ce que tout ça peut être autre chose que les jouets d'un dieu fou qui nous a créés pour les lui construire? Imaginez un homme de Néandertal qui a la vision de cette chose-là dans sa tête. Un flash de ville la nuit, avec ses mouvements et ses lumières. Il ne sait rien de ce qui compose cette chose-là. Il a juste eu une vision poétique, pleine de mouvements et de lumière. Il a vu une mer de lumière. Il ne sait pas faire le tri entre toutes les images qui se posent à l'intérieur de sa tête, comme des oiseaux. Aussi rapide et irrattrapable que des oiseaux. Pensées, souvenirs, visions. Pour lui, tout revient au même. Une espèce d'hallucination qui lui fait peur. C'est une vision de même ordre qu'a eu William Gibson en écrivant Neuromancer et en inventant le cyberspace. Il a vu une espèce de mer des sargasses, pleine d'algues binaires. Et sur cette image, les Néandertaliens que nous sommes ont commencé à greffer leur propre vision, leurs pensées, leurs souvenirs, des misérables bribes d'informations. Mais aucun de nous ne sait ce qu'est une ville. Voilà le genre de choses que tu écrivais. Tu les écrivais tard dans la nuit, sur l'ordinateur. Avant de l'éteindre. Et moi, je l'ai trouvé le matin, en l'allumant. Tu avais avancé dans le programme de ton jeu, et moi, j'avançais dans l'écriture de mon livre. Tu disais que tu étais l'ordinateur du soir, ta manoir, et moi, l'ordinateur du matin, lapin. Tu disais qu'on était les deux 8. 8 heures pour toi tout seul. 8 heures pour moi toute seule. Il restait 8 heures pour nous deux.